Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des véhicules adverses avec des armes à distance ou explosives. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit trouver des armes à distance ou explosives. Donc les armes à distance, c'est tout simplement toutes les armes qui vous permettent de tirer des balles, hein, tout simplement, et toucher vos adversaires à plus de 2 mètres. Donc même les fusils à pompe, ce sont des armes à distance. Donc quand vous avez une arme à distance ou explosive, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des véhicules adverses. Donc pour vous aider, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre près du bus de combat, comme il y a en face de moi. Alors le bus de combat, vous avez, si vous avez de la chance, il va être représenté par ce petit logo-là, parce qu'il y a tout simplement un réel boss qui est en train de l'escorter. Donc c'est possible que dans les parties, dans une de vos parties, il n'y ait pas le boss qui l'escorte, donc il va falloir tout simplement faire le tour de la map pour le trouver. Mais si maintenant vous avez de la chance et qu'il y a un boss qui escorte le bus, ben vous allez pouvoir le trouver plus facilement. Et comme ça, ça vous évite de trouver des adversaires avec un véhicule, hein, même si normalement il y en a quand même pas mal. Mais enfin bref, dès que vous avez trouvé un adversaire, un réel joueur ou alors un bot qui contrôle un véhicule, là vous n'avez plus qu'à infliger des dégâts au véhicule en question, tout simplement contrôlé par le bot. Et dès que vous aurez infligé un total de 600 de dégâts au véhicule adverse, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.